Ça tourne ? Alors ça tourne. Monsieur Gallorini, il y a un nouvel étalon qui arrive au Ras du Lion qui s'appelle Sindar. Et je crois que vous connaissez bien Sindar et vous en avez des choses. Vous avez des choses à nous dire sur le cas de Sindar. Dites-nous tout. Ah ben écoutez, d'abord Sindar, c'est un agacan. Hein, c'est une référence. C'est une griffe. Hein. Quant au cheval lui-même, eh ben, c'était un vrai crack en course. On ne gagne pas le derby d'Epsom, le derby irlandais, l'Arc de Triomphe, si on n'est pas un cheval d'exception, ce qu'il est. Et il a transmis dans sa progéniture la qualité, la générosité, hein, le physique, il est signé bien, et l'aptitude. Moi, j'ai un très bon souvenir avec un Sindar, Mandali. Nous avons gagné une course d'anthologie, grande course de d'Auteuil, groupe 1, montée par Soumillon. C'est que du bon souvenir. Et là, je viens de gagner aussi avec une jument, Chaman Choya, Sindar, très, très généreuse, une jument avec une marge de progression. Très bien. J'aime Sindar et j'aime entraîner des Sindar. Alors justement, quelle qualité principale transmet-il à sa production parmi ceux que vous avez eus, vous ? Ah ben moi, je veux dire, la qualité, la générosité. C'est un bon cheval. C'est un cheval qui n'a pas de défaut. Dans sa morphologie, il est très bien dessiné. Dans son travail, ce n'est pas un cheval à problème. Il vous donne ce qu'il a et ce qu'il n'a pas. C'est à vous à savoir le préserver, par contre. C'est aux professionnels de faire attention. Mais enfin, bon, déjà, vous savez, quand on a la chance de travailler avec des produits de l'Agacan, il y a une sélection tellement haute, il n'y a pas de surprise. Merci, M. Gallorini. Merci.